Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Rimouski, un peu dans le nord du Québec. Hier soir j'ai rencontré Enrique qui travaille sur l'animal qui a la plus grande longévité au monde. Il m'a fait visiter son labo et je vous montre ça, c'est assez surprenant. Donc ça c'est Arcticalis indica, c'est le quahog nordique, donc l'animal qui vit le plus longtemps au monde, 507 ans, âge maximal rapporté. Donc dans des populations d'Islande. Le plus vieil individu, c'est Ming. Ils l'ont baptisé Ming, 507 ans, parce qu'elle serait née durant la dynastie Ming en Chine. Et dans les côtes d'Islande, les individus d'Artica islandica de 400 ans sont pas rares à trouver. Donc on pense que la population où les individus les plus vieux se retrouvent serait en Islande. C'est donc une palourde, l'animal le plus longévif de la Terre. Oui, parce qu'on dit longévif, j'ai appris ça en parlant avec Enrique. Mais la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que tous les animaux de cette même espèce ont la même longévité ou alors est-ce que Ming était vraiment une exception? Si on descend plus au sud de l'Europe, on en retrouve aussi, mais on ne retrouve pas d'individus aussi vieux. Pourquoi est-ce que c'est la population d'Islande où on retrouve les individus les plus vieux? Ça fait partie aussi de mes recherches, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des différences de longévité au sein même d'une espèce entre populations de la même espèce. Ok, mais le travail de Enrique, c'est de travailler sur la biologie du vieillissement. Alors pourquoi avoir choisi la palourde? On s'est rendu compte en fait que leurs mitochondries, leur usine cellulaire, produisent très peu de molécules qui endommagent les cellules, et on pense que c'est lié à leur taux de vieillissement en fait. Moi en particulier, j'étudie la structure des mitochondries de cette espèce, mais aussi d'espèces qui vivent beaucoup moins longtemps, pour justement, sur une base comparative, en sortir des conclusions sur la biologie du vieillissement. Ça fait partie de l'ordre des bivalves marins. Au sein de cet ordre, il y a plusieurs genres, et au sein de ces genres, il y a plusieurs espèces dont les longévités maximales sont très différentes. Donc on a un proche parent de cette espèce-ci qui ne vit que 2 ans. Donc justement, on peut comparer des longévités extrêmes au sein d'un même groupe phylogénétique, ce qui rend le modèle puissant, si tu veux. Dès qu'on fait des expériences sur les animaux, c'est toujours la même question qui revient. Comment est-ce que les conclusions qu'on a sur un animal peuvent se transférer réellement à l'humain? Ce qui nous rapproche de cette palourde, essentiellement, c'est la mitochondrie. Elle possède une machinerie cellulaire très, très, très semblable, mais la sienne fonctionne différemment. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui fonctionne différemment et éventuellement pourquoi. Et comment peut-on appliquer justement ces connaissances à la science sur le vieillissement au niveau humain. Le but, c'est de vieillir. C'est pas de vieillir, en fait, de vivre plus longtemps. Le but, c'est de vieillir mieux. Et elles ont l'air de bien vieillir, vieillir en santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment relié, on pense, à la mitochondrie. Le défaut du modèle, si on veut, en gros, c'est qu'on peut pas attendre de voir quand est-ce qu'elle va mourir. Et 507 ans, moi, je pense que ça aurait pu continuer. La pauvre Ming, là, elle était pêchée et tuée, mais on ne peut pas savoir quelle est la limite réelle. Donc ça aussi, ça en fait intéressant. Mais les gens qui étudient le vieillissement, ils vont plus travailler sur l'humain, sur les rats, beaucoup de vers aussi, parce que ça vit très peu de temps, mais tu peux influencer la longévité et voir les résultats sur quelques jours ou semaines. Dans ce cas-ci, on ne peut pas. Ce qui est fou, quand on y pense, c'est que techniquement, cette palourde est tellement vieille qu'on pourrait la dater au carbone 14. Mais c'est pas cette technique-là qu'ils ont utilisée, ils ont une autre technique qui est assez surprenante. Oui, donc ça fonctionne comme chez les arbres. C'est ce qu'on appelle la sclérochronologie. Donc ces lignes de croissance apparaissent à un rythme défini. Et donc en coupant la coquille, en faisant des analyses d'imagerie, on est en mesure d'avoir l'âge exact des individus. Pourquoi en coupant la coquille? Parce qu'on ne peut pas compter les... il faut faire des coupes plus précises, là. On ne peut pas simplement compter les stries là-dessus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs d'entre vous m'ont rapporté qu'ils n'étaient plus mis au courant de la sortie des nouvelles vidéos. C'est normal, c'est parce que YouTube a changé ses règles du jeu, ça arrive de temps en temps. Et maintenant, pour être averti des nouvelles vidéos, être abonné ne suffit plus. Il faut en plus cliquer sur la petite cloche qui est à côté. Donc, vous pouvez faire ça si vous voulez être averti. On parlait de la biologie du vieillissement dans cette vidéo, et je vous conseille une vidéo de Veritasium qui est super bien faite sur le sujet et qui a été
sous-titrée en français, donc il faut que vous activiez les sous-titres pour les avoir, mais je vous la conseille vraiment vivement, elle est super intéressante, donc je vous mets le lien en description et puis dans une infocard, je sais plus de quel côté c'est. Donc voilà, puis nous on se revoit la prochaine fois. Bye.